Bonjour, je m'appelle Makan Fofana. Je suis artiste en résidence à la Gaîté Lyrique. Je suis également écrivain, auteur d'un ouvrage qui s'appelle La banlieue du Turfu. Je suis designer de démarches participatives où je co-crée des ateliers pour accompagner les gens à imaginer le futur de leur quartier. La banlieue du Turfu est un concept que j'ai inventé, un monde dans lequel aider les participants à se projeter pour participer à la création de leur ville, mais aussi d'une civilisation durable. À chaque atelier, la banlieue du Turfu prend des formes différentes et j'ai fait le choix de ne pas donner de définition ou de description claire pour permettre à chaque banlieue et même, je dirais, à chaque territoire de s'imaginer cette banlieue futuriste. Les banlieues du Turfu ne concerne pas seulement les banlieues urbaines à Paris. Elle concerne également des banlieues qu'on peut retrouver en province ou dans des campagnes, mais elle concerne également finalement les périphéries. Le plus important finalement et le plus difficile en tant que designer, c'est de designer des démarches participatives pour faire en sorte que la banlieue du Turfu soit un projet collectif et un rêve commun. Donc le laboratoire essaye d'outiller les habitants à imaginer la banlieue du Turfu ensemble. La difficulté à se projeter et imaginer, elle concerne la société dans son ensemble. Des fois, je fais des ateliers dans des entreprises, ils ont autant de mal à se projeter. Voilà. Mais on peut imaginer que dans les quartiers, c'est un peu plus exacerbé. Tant que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire. Alors que moi, j'essaie de dire, on imagine, et en imaginant, on va trouver les opportunités et les moyens d'arriver au but. Mais certains habitants, en tout cas, ils commencent même pas à s'imaginer. Ils disent, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, donc je ne fais pas. Donc, on n'est pas acteur de sa situation, et en plus, on n'a pas d'horizon, des possibles qui s'ouvrent pour dire, en fait, tel chemin est envisageable. Aujourd'hui, le seul chemin envisageable est celui de l'ascension sociale. C'est pour moi l'imaginaire indépassable, le récit le plus puissant qui concerne en tout cas les habitants des quartiers. Dans d'autres espaces, c'est un peu différent. Mais là, au-dessus de l'ascension, il n'y a rien. En fait. L'autre croyance limitante, à savoir que pour réussir socialement et montrer que nous avons réussi, matériellement et symboliquement, il faut sortir des quartiers. Mais si nous continuons sur cette voie, qui va imaginer les futurs de ces quartiers? Donc dès qu'on a la possibilité, dès que j'ai mon master, je pars en fait. C'est une espèce de fuite des cerveaux. Voilà. Si je devais choisir un mot, je choisirais le mot trouble. Pourquoi? Parce que c'est un mot d'une penseuse et chercheuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Donna Haraway, qui nous apprend à vivre avec le trouble, en fait. C'est-à-dire de vivre avec à la fois cette condition écologique et climatique difficile et en même temps essayer d'avancer dans le quotidien, de continuer à vivre, à imaginer et à fabuler. Le mot fabuler est un mot très important chez Donna Haraway. Pourquoi j'ai vécu du trouble? Parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de m'arrêter et de fixer quelqu'un dans les yeux pendant plus de 10 secondes. Ça m'a vraiment bouleversé de regarder des femmes, des hommes pendant plus de 10 secondes dans les yeux. Et c'est ce que je retiens le plus. Et c'est ce que je vais essayer de faire en rentrant chez moi, de regarder ma mère un peu plus longtemps que d'habitude. Et c'est ce que je retiens de ce qui m'a le plus marqué durant cette journée.